Donc salut à tous, donc pour oh, je me voilà, c'est mieux comme ça. Et salut à tous donc pour ce petit live un peu différent, donc et puis je l'espère qu'il sera de. Ce format sera redondant, je l'espère. Donc pour parler de psychiatrie et de psychologie. Et aujourd'hui j'ai choisi un sujet assez spécial, qui est victime de pas mal de clichés, alors majoritairement à cause de tout ce qui est film, série, hein, ça on va pas se mentir. Les chambres d'isolement, comme vous pouvez le voir noté juste au-dessus. Et donc pour aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui a été hospitalisé et donc qui a pu expérimenter les chambres d'isolement normalement relativement récentes, à part si cette personne a normalement 50 ou 60 ans, mais dans ce cas elle a une voix extrêmement jeune. Et ben écoute, salut à toi et merci d'être avec moi aujourd'hui justement sur le live. Oui, hello. Alors attends, je vérifie juste. Ouais, si c'est bon, tout me paraît parfait, en espérant que la musique ne soit pas trop forte. Alors bah déjà franchement merci d'accepter de parler de ça, parce que c'est vrai que en règle générale les gens sont pas forcément ultra ultra chauds pour en parler, ce que je peux comprendre. Donc vraiment merci à toi. Y'a pas de soucis. Alors, si je peux me permettre d'être curieux tout d'abord, tu as donc été hospitalisé à peu près, environ il y a à peu près combien d'années ? Alors, j'ai été hospitalisé plusieurs fois à cause de mes problèmes, on va dire ça. Je souffre de psychose, d'anorexie aussi, du trouble du comportement. Donc, j'ai été hospitalisée à l'âge de 12 ans, pour la première fois. Et la deuxième fois, j'avais 22 ans, bah, c'était l'année dernière, tout simplement. D'accord. Et voilà. D'accord. Et donc, la fois où tu as justement connu la chambre d'isolement, c'était pour quelle hospitalisation? Ou est-ce que c'était même pour les deux, peut-être? Les deux. Okay. Les deux. D'accord, donc oui, donc effectivement, alors tu as normalement connu, tu me diras si je me trompe, hein, tu n'hésiteras pas à m'interrompre, donc normalement tu n'as pas connu forcément les très récentes chambres d'isolement, donc avec les nouvelles normes, alors peut-être la dernière fois, mais pas pour la première je présume. Est-ce que les deux chambres étaient très différentes ou pas, dis-moi? Oui, elles étaient toutes les deux très très différentes. Ok, alors pour la petite info, en fait ce qui a changé c'est la législation. La législation a... par chance, et heureusement, énormément changé. Donc, normalement, maintenant, il y a des normes pour pouvoir dire qu'une chambre est une chambre d'isolement. Et donc, il faut effectivement rentrer dans toutes ces normes pour pouvoir en ouvrir une et légalement pouvoir en utiliser une. Si la chambre d'isolement n'a pas certains prérequis, eh bien, tout simplement, vous n'avez pas le droit de l'utiliser comme chambre d'isolement. Donc, de ce fait, vous n'avez pas le droit de mettre un patient en isolement. Alors, maintenant aussi, au niveau de la législation, il y a quelque chose qui a largement changé et je pense qu'il était temps. C'est-à-dire que maintenant, nous n'appelons plus ça des chambres d'isolement, même si beaucoup de soignants utilisent encore l'ancienne appellation. C'est un peu comme pour l'hystérie, maintenant on appelle ça un trouble histrionique, hein, mais bon, beaucoup de gens continuent d'appeler ça l'hystérie, à tort. Et bien maintenant, on appelle ça en fait les CSI, donc les chambres de soins intensifs. Pour la psychiatrie. En fait, ce sont des chambres vraiment particulières. Alors, dis-moi, est-ce que tu accepterais de nous décrire la première, si tu as de bons souvenirs, lors de ta première hospitalisation, la chambre dans laquelle tu es allé? À quoi ça ressemblait? Alors, même sommairement, mais à quoi ça ressemblait? Alors, les chambres d'isolement, oui, je m'en rappelle très très bien, malheureusement. Alors, ma première chambre d'isolement, j'avais 12 ans. J'avais fait une crise, enfin bref. Et du coup, alors en fait, il y a un premier sas où les soignants, je pense, doivent être là. Il y a un sas avec la douche, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des petits carrés dans les portes pour nous regarder en fait. Et après, quand on rentre dans la chambre, il y a juste un lit. On a une fenêtre, mais qui a, comment dire, on voyait même pas à travers en fait, on voyait pas à travers, c'était juste pas un papier qui permettait qu'on voyait pas du tout à travers. Et on avait une stupide horloge rouge avec des points, voilà. Mais je détestais cette horloge. Alors, effectivement, ça c'était... Alors, c'était, on va dire, oui et non, c'était les anciennes chambres d'isolement, dans le sens où elles ont gardé quand même un peu cette idée, ce prototype-là,
dans son fondement. Après, il y a certaines choses qui ont changé. Dis-moi, au niveau de la chambre d'isolement, est-ce que tu accepterais de nous dire à l'époque dans quel contexte toi tu as été mise en chambre d'isolement? Première question, voilà, est-ce que tu pourrais nous en parler ou pas? Ça me dérange pas. Bien, ça me dérange. Alors, en fait, suite à un passé, voilà, j'ai des problèmes et j'avais, on va dire, c'était la première fois qu'on découvrait que mes problèmes avaient une certaine importance. J'avais des crises de violence qui pouvaient être assez puissantes pour un enfant. Et en fait, la première fois, en fait, il y avait quelqu'un qui m'avait énervée et du coup, j'ai tapé tout le monde. Vraiment tout le monde, même les soignants. Et il faut savoir qu'avant, il n'y avait pas l'équipe d'intervention que maintenant on a. Parce que l'année dernière, quand j'étais en chambre d'isolement, c'était pour une crise encore. Mais cette fois-ci, il y avait une équipe qui intervenait à la place des soignants. Et du coup, la première fois, voilà, j'ai eu une énorme crise de violence. Et j'ai tapé tout le monde. J'avais cassé carrément un bras à une infirmière, malheureusement. Et donc après, ce qui s'est passé, c'est que on m'a pris, ils étaient à 5 sur moi, et on m'a attachée au lit, on m'a attachée, on m'a enlevé mes vêtements, on m'a forcée de mettre une tenue, on m'a forcée de prendre un médicament dans le bras, enfin on m'a mis un médicament parce que je ne voulais pas le boire, donc on me l'a mis dans le bras. Après, il faut savoir que j'étais en crise, donc quand on est en crise, c'est pas forcément évident non plus pour les autres, pour les soignants. Donc on fait comme on peut. Et du coup, on m'avait attaché la tête, les bras, le ventre, les pieds. J'avais même pas le droit à un livre ou à mes propres vêtements. Ensuite, la deuxième fois, j'avais eu une énorme crise. Alors, encore. On va juste s'arrêter sur la première pour commencer, si ça t'embête pas, évidemment. Mm-hmm. Ouais, pas de soucis. Donc, ok, alors déjà, merci de nous raconter aussi honnêtement et franchement ce que tu as vécu. Vraiment, sincèrement, merci beaucoup. Tout d'abord, est-ce que tu sais, est-ce qu'on t'a expliqué, est-ce que les soignants t'ont expliqué à un moment donné, même après, à quoi servait la chambre d'isolement? Est-ce qu'on t'a expliqué à quoi servait exactement une CSI, effectivement? Non, pas du tout. On m'a pas du tout expliqué. Ce qui s'est passé, c'est qu'on m'a mis là. On m'a attaché pendant 4 jours à peu près. On m'a même pas dit pourquoi. Je l'ai lu que après, c'est-à-dire avec 18 ans, quand j'ai eu le droit d'avoir mon dossier. D'accord. Voilà. Et donc, qu'est-ce que tu y as lu, si c'est pas trop indiscret? Je parle à ce sujet-là, hein, évidemment. Non, il n'y a pas de souci. Crise de violence avec violence physique et violence verbale. Madame Machin était très agressive, nous avons dû donc intervenir et suite à ça, mettre des contentions, je ne sais plus comment ça s'appelle. Oui, c'est des contentions, après ça a différents noms, après tu as les contentions ventrales, contentions, etc. Mais oui. Voilà. du coup, voilà, c'est ce qui a été écrit. D'accord. Voilà. Et donc, d'après toi, quelle est l'utilité normalement première d'une chambre, justement d'une CSI? Alors, de ce que j'ai vu pendant mes stages, et oui. Parce que j'ai fait du côté soignant et du côté patient, c'est comme un quoi, peu... Ça ne l'a pas dégoûté. Non. Après, voilà, je pense que si j'ai bien compris, quand on peut être dangereux pour soi-même ou pour les autres, je pense que la chambre d'isolement, même si on la déteste, moi perso, je l'ai détestée à fond, je la déteste encore, je pense que c'est fait voilà, pour se retrouver, pour se calmer, pour remettre les idées en place, pour s'apaiser, quoi. On avait dit aussi ça, on dit aussi une chambre d'apaisement aussi, dans certains services, et je pense que voilà, c'est pour ça. Alors, ça, c'est effectivement une alternative qui est apparue et donc dont on parle, dont tu viens de parler, c'est très très bien, parfait. C'est effectivement la chambre d'apaisement. Tu vois, en plus, j'étais en train d'y penser, j'étais en train de me dire, faut bien que j'en parle. Et banco, c'est parfait, tu en parles. Donc, et il y a aussi la chambre d'apaisement. Donc, la chambre d'apaisement, selon la nouvelle législation, évidemment, c'est encore quelque chose de différent. Une chambre d'apaisement, pareil, doit correspondre à certains critères et doit permettre aux patients de se mettre en sécurité. Avant toute chose, et d'avoir en fait de quoi, en somme, évacuer tout ce qu'il a de mauvais, tout son mal-être, toute sa frustration, toute sa souffrance. Donc en règle générale, dans les chambres d'apaisement, soit il y a de quoi justement
se poser, s'apaiser, soit au contraire se vider, se dépenser. Par exemple, dans certaines, on peut de nos jours trouver des punching balls, du matériel de sport. Alors évidemment, on ne va pas mettre, pour des raisons évidentes, des cordes à sauter, ce genre de choses. Oui, oui, on va éviter. Hein. Voilà, on va éviter. pareil comme des poids, ce genre de choses. Mais effectivement, maintenant, les chambres d'apaisement sont une nouvelle alternative très intéressante qui commence à bien se développer en France, qui commence, je dis bien. Parce que les projets de chambres d'apaisement sont en route dans bon nombre d'hôpitaux psychiatriques, de structures psychiatriques en France depuis un petit moment. Mais bon, c'est toujours les mêmes raisons, hein. Une question de budget, ça fait chier les hôpitaux de dépenser des 100 et des 1000 pour rentrer dans ces normes. Alors, ils vont pas avoir le choix, ils vont être obligés de le faire. Hein. Et après, ah ouais. La CSI va vraiment devenir une chambre de dernier recours. Donc, comme tu l'as très bien expliqué, la chambre d'isolement, c'est une chambre qui sert en fait à se mettre soi-même en sécurité, à mettre les autres en sécurité. Et ou les autres en sécurité, voilà. Donc je vois que effectivement tu connais bien à ce niveau-là. Mais effectivement, maintenant j'aimerais, pareil si tu es bien d'accord, que tu me fasses maintenant le distinguo entre ta première et ta deuxième hospitalisation et justement la deuxième fois où tu as été mise en CSI. Alors, la deuxième, j'étais toujours en crise, assez violente, parce que bah voilà, faut savoir que quand un patient peut être en crise de violence ou en crise, la force peut être décuplée. Ça, c'est ce qu'on m'a expliqué pendant ma deuxième. Alors, ça, bah c'était un peu mieux que celle d'avant. j'avais une fenêtre et je voyais. Voilà, j'avais une fenêtre et je voyais à travers. En fait, les fenêtres, il faut savoir que c'est super important. C'est super important, les fenêtres. Si les hôpitaux peuvent nous écouter, laissez-nous des fenêtres. Voilà. Mais après, voilà, j'avais une fenêtre où je pouvais voir à travers. Voilà. Pas forcément tout, mais je voyais par exemple le ciel, c'était très bien. Mmh. Ensuite, c'était la même chose, même contexte encore. Et donc, cette fois-ci, ils ont appelé un... Comment ça s'appelle ? Justement, le service qui s'occupe pour les patients en crise, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est un nom bien spécifique. Et du coup, ils sont venus. Donc, voilà, moi, toute fine et eux, avec leurs gros bras, ils ont été à deux, ils m'ont installée. Par contre, cette fois-ci, les soignants, je trouve que les soignants étaient un peu plus compréhensifs, je ne sais pas comment on le dit. Si, compréhensif. Et du coup, en fait, ils m'ont expliqué, ils m'ont dit, là, madame machin, vous êtes en crise, vous n'êtes pas bien, il va falloir qu'on vous isole un petit peu pour redescendre, pour vous retrouver. Et on va faire comme ça, parce que là, vous n'êtes pas en sécurité ni pour vous, et vous mettez en danger les autres personnes. Donc, suite à ça, on a parlé, on m'a proposé est-ce que j'ai besoin de mon traitement d'urgence. Et j'ai accepté parce que, j'ai compris, parce qu'en même temps, avec l'âge, on comprend un peu mieux aussi, des fois. Et peut-être que, tu me diras, hein, mais est-ce que le fait aussi qu'on t'ait peut-être traité plus humainement et qu'on t'ait plus expliqué les choses, ça a peut-être joué un rôle même petit là-dedans ? Ah, un grand rôle, un grand, grand rôle. En général, si je peux me permettre de faire un petit commentaire, quand on a des problèmes psychiatriques ou psychologiques, les gens ont tendance à nous traiter comme des monstres. Voilà. Et il faut savoir que non, on n'est pas des monstres, on a juste des difficultés, comme tout le monde. Traitez-nous comme des humains, c'est la seule chose que je peux demander. Ça, c'est une très belle phrase et je suis entièrement d'accord, hein, vraiment... À 100%. Mais du coup, oui, ça a joué beaucoup. Et en plus, il y avait aussi un psychiatre de garde qui est venu aussi et avec qui on a parlé et qui m'a expliqué. On m'a même proposé est-ce que je voulais aller fumer. Et bien. Voilà. Bien. Ça, alors, déjà, effectivement, en 10 ans, de gros progrès. Et ça a changé. Ouais, ça a changé. C'était le même hôpital en plus. Et honnêtement, moi-même, en 10 ans, entre le moment où j'ai été étudiant et le moment où là j'ai arrêté, j'ai changé de carrière pour faire infirmier, conseil, j'ai vu effectivement des gros progrès entre effectivement mes débuts et puis maintenant, il y a à peu près un an et demi, moi j'avais vu vraiment des gros progrès. Donc c'est bien, surtout que les patients le voient. Pourquoi ? Parce que bon, c'est cool, tant mieux si les soignants voient une différence. Mais c'est les patients qui sont au front, on va dire, littéralement, c'est eux qui vivent les pathologies, c'est eux qui finissent par être placés en CSI, donc c'est surtout pour eux, donc c'est surtout pour les gens qui souffrent qu'il faut que ce soit différent. Donc déjà, ça, effectivement, c'est un gros progrès.
Est-ce que je peux te demander, est-ce que tu, comment tu imaginais toi justement tout ce qui était chambre, les chambres d'isolement avant d'aller dans une chambre? Après, tu me diras toi la première fois que tu y allais, t'avais 12 ans, donc alors je sais pas si t'avais déjà été exposé à toutes ces images qu'on en a dans les films, séries, etc. Mais est-ce que tu en avais une image autre au début? Bah en fait non au début, bah après faut savoir que j'étais quand même encore enfant dans ma Oui. tête, j'étais parce que bah j'avais un décalage on va dire de ce qu'on m'a expliqué, j'avais un décalage entre mon âge et bah ma manière de penser. En fait à 12 ans j'étais encore avec des Barbie, des bisounours, Bonne Nuit les Petits et tout, j'étais encore assez on va dire innocente. Et quand j'ai entendu chambre d'isolement, moi je savais pas du tout qu'est-ce que c'était. Après, de ce qu'on voit entre les séries, les films et la réalité, c'est complètement autre chose. Parce que même moi, en tant que, bah voilà, je suis encore étudiante, entre ce qu'on, enfin, ça a rien du tout, rien à voir. Que ça soit les films sur la psychiatrie ou des choses comme ça n'a strictement rien à voir. Voilà. Pour moi, je trouve que ça n'a rien à voir entre ce qu'on va voir dans les films et tout, et ce qui est vrai, c'est autre chose. Mais par contre, ce que j'ai apprécié pour ma seconde, mon second isolement, c'est que par exemple, on m'a laissé le droit de lire, de m'occuper, le droit de m'occuper. Il faut savoir aussi que c'est un besoin fondamental, et ça vaut de l'or. Même un livre, même si c'est juste un magazine, même un petit livre, c'est super important. Alors, pour C'est faire de un l'or. petit lien, et tu me diras justement, parce que moi, ce qu'on m'a appris en tout début de carrière, quand j'ai connu justement les premières chambres d'isolement que toi tu as connues effectivement aussi à 12 ans, eh bien, effectivement, ce qu'on nous. Comment je pourrais expliquer ça? Ce qu'on nous disait, ce qu'on nous expliquait à l'époque. Ouais, mais enfin, en fait, on nous expliquait clairement que passer du temps justement en fait dans une chambre d'isolement, même avec la petite horloge, et encore heureux quand un patient avait effectivement bien la petite horloge en plus, c'est le temps en fait, le temps paraît-il est bien plus distordu pour le patient et il y a Ouais. carrément une perte de temporalité. C'est Autant au ça. niveau de l'espace, il paraît que tout paraît correct là-dessus, mais au niveau du temps, il paraît que le temps paraît beaucoup plus long et que ça peut faire Ouais. mettre en souffrance certains patients. Est-ce que toi, tu l'as C'est ressenti, ça. cette Ouais. question du temps? Alors moi, pour ma première, franchement, je me suis sentie comme un monstre. On m'a traité, on m'a pas... Enfin, honnêtement, pour moi, ça a été de la maltraitance, ça a été un traitement inhumain. J'explique pourquoi. Donc, le matin, on me réveillait. On me réveillait avec la lumière. On me réveillait pas en mode doucement. Surtout, j'étais une enfant, donc quand même, faut traiter les patients encore comme des humains. Ensuite, on me disait, tu veux manger, tu veux pas manger, point barre. Après, j'avais même pas le droit de manger moi-même. C'était eux qui me donnaient à manger. Oh, ah oui, là par contre c'était rude là quand même. Ouais, franchement, enfin, même si j'ai été violente, je pense pas que je méritais ça. Personne d'ailleurs, personne. Et est-ce que tu penses, après, bon, on va pas se mentir, c'est humain, hein, quand on en a après quelqu'un qui par exemple a fait du mal à quelqu'un qu'on apprécie, on peut se montrer très con, à tort, hein, parce que bon, encore une fois, Oui. normalement là on est en psychiatrie, donc là il y avait certaines circonstances, en plus tu en as parlé très honnêtement, est-ce que tu penses que certains soignants t'en ont fait un peu plus bavé que d'autres sous Oui. prétexte que t'avais cassé le bras d'une de leurs collègues? Oui, parce que par exemple, on m'avait dit, va à la douche. Et on me regardait quand j'étais sous la douche. Et franchement, c'est dégueulasse. Alors que Bon, c'est dégueulasse. bon. Après, oui, il faut faire attention. Peut-être que la personne veut faire quelque chose, je suis d'accord. Mais j'étais qu'une enfant et certains ont été plus compréhensifs que moi et d'autres ont été très très inhumains. Alors, c'est vraiment, moi, à chaque fois que j'entends ce genre de témoignage, c'est vrai que ça me serre le cœur, parce que bon, beaucoup de soignants diront, entre eux, oui, mais c'est ce que les patients racontent. Alors, oui, mais les patients, qu'importe ce qu'ils racontent, que ce soit vrai ou pas vrai, je dis bien entre guillemets, hein, attention, ce qui compte, en fait, c'est le ressenti en psychiatrique, mais même d'ailleurs, en fait, dans le somatique. Ce qui compte, c'est ce que le patient ressent. Si un patient te dit, je suis mal, j'ai mal, je souffre, alors, ça veut dire que cette situation, il la vit comme une souffrance. Que toi, tu estimes qu'elle n'est pas réellement une situation qui peut mettre en souffrance, ça compte pas. Quand tu es face à un patient, surtout en psychiatrie pour l'occasion, si quelqu'un te dit que lui, ça le met mal, que lui, ça lui fait du mal, que lui, ça le travaille ou que ça le dérange, eh ben, il faut en prendre ça comme argent comptant, ce qui est clairement pas toujours le cas avec tous les soignants qui ont tendance à voir plutôt, en fait, par leur propre prisme,
Sauf que, justement, en psychiatrie, la chose qu'il faut vraiment éviter de faire, c'est voir par son propre prisme, et au contraire, essayer de s'ouvrir au prisme des autres, qui ont une vision de notre réalité, qui leur est propre, en fait. Je pense, en tout cas. Mais ça n'excuse, en tout cas, ça n'excuse rien, les mauvais comportements que peuvent subir certains patients. Après, moi, ce que j'ai vécu en tant que soignant, c'était plutôt des soignants, par exemple, qui restaient en retrait. C'est-à-dire que pour la douche, effectivement, on a tendance à rester près du patient. Quand on sait que c'est un patient où il y a vraiment peu de chances que les choses dégénèrent, par exemple, on le laisse même fermer la porte. Mais normalement, on se tient soit près de la porte entrouverte, soit c'est on ça. Se tient derrière la porte fermée, bon, pas derrière le hublot évidemment, parce que c'est très important, surtout que maintenant on appuie beaucoup là-dessus, c'est très important de respecter l'intimité des patients. Et visiblement, toi, c'est pas du tout ce que tu as vécu la première fois. Et la deuxième fois, est-ce que c'était similaire ou pas, honnêtement? Non, pas du tout, ça a été beaucoup plus humain. Alors, ça a été plus humain, par exemple. On me demandait, est-ce que tu as besoin d'aller fumer? J'avais des heures où si je voulais aller fumer, je demandais. Parce qu'en fait, on avait la chambre d'isolement, mmh. et juste à côté, on avait le bureau des infirmiers ou des soignants. Ouais. Et en fait, on bloquait si on avait besoin de quelque chose. S'ils étaient là, ils répondaient. S'ils étaient en transe, ils faisaient leur transe. Hein, voilà. On me demandait est-ce que j'avais besoin de fumer. Par contre, on m'invitait, par exemple, à voir les autres pendant le goûter. Ah, ça, juste c'est vachement bien. Donc, ils ne t'ont pas isolé purement et simplement pendant. Non, ils t'ont quand même donné des opportunités aussi de ne pas être seul. Mais toujours garder. Enfin, je pouvais parler avec les autres patients, bonjour, des choses comme ça. Pas tout le temps, bien évidemment, parce que après, il fallait que je retourne en isolement. Après, pour la douche, des choses comme ça, on me disait est-ce que tu as besoin d'aller te laver Après, ils ont vu aussi, ils évaluaient. Enfin, je pense qu'ils évaluaient aussi que j'étais pas un danger pour moi-même. Enfin, voilà. Après, quand j'ai pris ma douche, c'était dans une pièce à part. Et j'avais juste à toquer quand j'avais fini, ou même si j'avais besoin. On m'a même proposé si j'avais besoin de me laver ou quoi que ce soit. Mmh. Après, on m'a même autorisé d'avoir mes propres vêtements. Il faut savoir qu'avoir ses propres affaires, ça fait du bien. Ah bah, hein, forcément, c'est on se réapproprie sa propre identité au final, hein, quand on récupère ses affaires. Par contre, ce qui était bien comparé à la première, c'est que par exemple, je savais la date, je savais l'heure, je savais quel temps on était. C'était moins long que la première, tandis que la première, j'avais juste cette stupide horloge avec ces petits points rouges de très moche, pour pas dire autre chose. Et j'avais le temps, pour moi, ça a été une lenteur. J'ai l'impression qu'il était passé 2 semaines, alors qu'il était passé, je crois, 4 jours à peu près. Oui, c'est vrai que souvent, c'est ce qu'on nous rapporte. Alors, pour l'expérience, moi-même, justement, j'ai testé la chambre d'isolement, c'est-à-dire que, après, dans des conditions encore bien différentes, donc ça va être très simple à comprendre. En fait, là où moi je travaillais, on nous a bien dit il faut tester la chambre d'isolement, savoir ce que ça fait. Donc, tous les nouveaux soignants étaient enfermés dans la chambre d'isolement à peu près une demi-heure, une fois. Mais moi, j'ai trouvé ça intéressant. Alors, pourquoi ? Beaucoup de gens peuvent se dire « Ah, c'est un bizutage !» Alors, non, évidemment, les soignants ne me laissaient pas, évidemment, définitivement. Hein, c'était vraiment une demi-heure chrono. Pourquoi ? Pour qu'on teste. Alors, c'est-à-dire qu'on était... on devait se mettre nous-mêmes en blouse de patient et on devait s'installer sur le lit, être contenu. Voilà, on avait des contentions, donc effectivement, ventrale, cheville, poignet, etc. Et on devait y rester une demi-heure. Donc il faut avouer que c'était quand même vachement impressionnant. Et effectivement, une demi-heure, la demi-heure, tu avais l'impression que ça durait, mais bien, bien, bien plus. Énormément plus. C'était très désagréable, hein, franchement. Donc alors. Je me dis, et moi j'étais quand même que dans des conditions où je savais que dans une demi-heure on allait venir me chercher, hein, qu'on allait venir m'ouvrir la porte. Alors que là, ça doit être encore plus compliqué parce que tu ne sais pas exactement quand tu vas pouvoir sortir, en fait. C'est ça, et quand on voit la psychiatre, la pédopsychiatre pour la première, la pédopsychiatre, la question qu'on lui pose c'est quand est-ce que je sors, quand est-ce que je sors, quand est-ce que je sors. J'avais dit que j'étais pas bien, j'avais dit que ça me faisait vraiment du mal. Mais du coup, elle m'a dit, faut rester. Enfin, au bout d'un moment, ok, c'est les pédopsychiatres ou psychologues, mais non, en fait, quand on n'est pas bien, faut écouter un peu. Ça revient à la même chose que du prisme, en fait. Tout à fait. Et tu as noté une différence au niveau de la présence, justement, d'internes et de psychiatres, quand t'étais entre la première et la deuxième fois? Est-ce que tu as vu en gros la deuxième fois plus de fois, plus souvent justement
psychiatre et interne que la première fois ou tu les as pas particulièrement vus? Ou les deux fois, tu les as Alors, beaucoup vus? la première fois, c'est vrai qu'il y avait, enfin, il y avait un peu plus de soignants, je trouvais. Bah, après, c'est les enfants, donc Alors, ça va être excuse-moi, facile. j'ai mal dû poser ma question. Pendant que toi, tu étais en chambre d'isolement, est-ce Ouais. que, en gros, psychiatre et interne sont venus te voir régulièrement? Autant la première fois que la deuxième fois, ou Non. plus, par exemple, ils sont plus venus te voir pendant que tu étais en chambre d'isolement la deuxième fois, ou plus la première fois, ou Ouais, de manière plus équivalente. la deuxième que la première. Plus la deuxième que la première, honnêtement. J'ai, enfin, pour moi, je l'ai senti. Enfin, ouais, après, non, il y avait plus. Enfin, il y avait plus de présence. Et voilà, je pensais que. Enfin, moi, j'ai trouvé qu'ils étaient plus attentifs et plus à l'écoute la deuxième fois. Et on voyait. On venait me voir plus régulièrement que la première fois. Je pose cette question pour une bonne raison, c'est quelque part peut-être pour me rassurer aussi, mais c'est surtout pour me dire, bon, ça veut dire que les choses en psychiatrie, effectivement, sont en train de s'améliorer. Je t'explique pourquoi, j'explique pourquoi. En fait, pareil, avec le changement de législation sur les chambres de soins intensifs, il y a eu aussi un changement de législation sur tout ce qui est soins sous contrainte. Parce qu'en fait, quand on met une personne en CSI, c'est obligatoirement un soin sous contrainte. Maintenant, c'est obligatoire. On ne peut pas mettre quelqu'un en CSI si on n'a pas fait signer un soin sous contrainte, si on n'a pas trouvé la personne qu'il fallait pour le faire, ou en tout cas le juge des libertés, s'il ne l'a pas signé. Et pour que le juge des libertés le signe maintenant, il faut absolument que le ou la patiente soit vue régulièrement, très très régulièrement, par un psychiatre ou un interne qui va donc qui va renouveler la demande et la justifier pour éviter tout ce qui est abusif. Et pour éviter qu'une personne se retrouve par exemple 24 heures de plus ou 36 heures de plus gratos en isolement. Donc ça me rassure parce que ça veut dire que déjà ils sont venus plus souvent te voir et plus souvent te questionner Ouais. sur comment tu étais, comment tu te sentais. Alors c'est Bah, la rassurant, ça veut dire qu'on psychiatre, va je plutôt la dans le bon sens même si voyais. les soignants gueulent beaucoup. La psychiatre, pour la deuxième fois, je la voyais une fois tous les 2, 3 jours à peu près. Mais tu devais Donc, peut-être voir des internes peut-être plus régulièrement avec de la oui. chance. Il faut savoir que l'interne est quand même pas mal le larbin du médecin, hein, surtout en psychiatrie, et comme il y a très peu de psychiatres, les larbins, hein, ce sont les internes, on les envoie C'est faire ça. une énorme partie du... Et puis toi maintenant, en tant que soignante, tu dois le voir encore plus, je présume. C'est ça, on le voit. Mais bon, on garde le sourire et puis on y va. Bah écoute, c'est bien en tout cas que tu aies pu t'orienter quand même vers le médical. Est-ce que ça a influencé... ta décision de faire du médical, justement, cette expérience, ou peut-être pas du tout, du tout. Ouais, oui, parce que bah en fait moi au départ, j'avais un petit peu une mauvaise idée sur les soignants suite à ma première expérience. Je les détestais tous, voilà. Je suis honnête, je les détestais tous, je voulais tous qu'ils meurent. J'adore ton Bah honnêteté. après Non, par mais la j'aime suite. parce que c'est exactement ce que je voulais, c'est quelqu'un qui parle librement, honnêtement. Tu m'as dit que tu allais faire, c'est parfait. Et du coup, pour la deuxième fois, je me suis dit, ouais, ça commence à. Enfin, je me suis finie, je suis, ouais, comparé à la première fois, putain, c'est vachement mieux quand même, hein. Et après, je me suis dit, bah pourquoi pas faire mes études d'aide-soignante, parce que je fais des études d'aide-soignante. Je me suis dit, bah pourquoi pas, peut-être que mon expérience, ça pourra peut-être apporter peut-être un petit peu plus, et peut-être que mes problèmes psy, ça pourra peut-être les éclairer un petit peu plus. En général, quand les personnes ont du vécu, voilà, j'ai aussi un passé de toxicomane. Et en fait, je me suis dit, bah pourquoi pas apporter ma petite lumière, peut-être. Alors, il y a une On peut pas expression changer. très très crue, hein, mais en même temps qui est très révélatrice. Alors, c'est une expression qui normalement est négative, donc c'est pour ça là, ça ne s'applique pas de manière négative à ton cas, évidemment, mais on dit souvent que les braconniers font les meilleurs garde-chasse. Et il est vrai que dans le médical et surtout en psychiatrie, avoir eu des expériences en lien avec ce domaine, ça apporte énormément parce que ça apporte beaucoup d'empathie, d'humanité et de compréhension. Envers les patients. Énormément, énormément, ça c'est sûr. Et puis aussi, ça permet de pas tomber dans certains pièges de certains types de patients qui peuvent être malins. Et on peut, par exemple, rapidement évoquer certains patients qui font qui ont une toxicomanie. Dans certaines petites choses, c'est-à-dire, bah, par exemple, cacher certains produits et tout dans leur chambre. C'est ça.
On croirait pas, mais avoir quelqu'un qui a vécu ça à côté de soi, eh ben c'est énorme, hein, franchement. Je te laisse en témoigner dans ce cas et me donner tes expériences si tu es d'accord. Ah oui, bah là en fait, faut savoir que nous les toxicomanes, même si je suis une ancienne toxicomane, on est les pros pour planquer. On est les pros. Alors ça peut être dans le plafond du dessous, ça peut être dans les chaussures, ça peut être dans le rectum, ça peut être aussi avaler et bah, recracher, enfin aux toilettes. Ça peut être derrière la tuyauterie, dans le lavabo, enfin on trouve de partout. Les plans, quand on dit qu'il faut regarder, c'est de partout, de partout, de partout. Ça peut être en dessous de la poubelle, ça peut être dans des endroits où vous n'avez même pas une idée. Ça peut être dans la tuyauterie, ça peut même être en dehors de la chambre. Ça peut être dans la salle de jeu, dans les livres, ça peut être dans les vêtements, enfin, avec un peu de couture, on coupe dans les vêtements et c'est bon. Enfin, on peut vraiment faire de partout, on peut cacher de partout. Voilà. Ça peut aider. Mais après, ce qui a aussi aidé, c'est que bah, voilà, je peux peut-être. Enfin, j'ai une vision, je pense, qui est différente en expliquant comment on peut se sentir en fait. J'arrive mieux à comprendre comment les autres se sentent. Et voilà, par rapport à certains problèmes, pas tous, malheureusement. Ben voilà, je suis pas Mère Teresa, je suis pas devin, j'ai pas la science qui infuse, malheureusement, sinon je serais Einstein. Et voilà, du coup, j'essaie de faire ce que je peux bah, pour apporter ma petite lumière, mon petit grain de sel. Alors, franchement, c'est beau, déjà. Et puis, ouais, vraiment, je pense que, sans parler de prérequis, hein, évidemment, mais je pense que oui, si, c'est un avantage indéniable d'avoir connu certaines expériences, certaines mauvaises expériences. D'en être revenu, ça permet de faire, en règle générale, des bons soignants dans certains domaines particuliers. Et toi, est-ce que justement, ça, tu travailles, tu comptes faire une carrière dans la psychiatrie ou pas du tout, ouais. Pas du tout. Ouais, honnêtement, oui. Parce que, honnêtement, oui. Au départ, j'étais en mode, je vous déteste, allez tous mourir. Mais en fait, en comprenant, en prenant de l'âge aussi, hein, parce que voilà, j'étais en préadolescence. Hein. Et ben oui, forcément. Ah. Et avec mon expérience, je me suis dit bah pourquoi pas. Et puis bah en fait c'est voilà, c'est comme je dis, on a tous besoin d'aide au bout d'un moment ou d'un autre. Faut pas en avoir honte quand on a besoin d'aide et qu'on nous tend la main, il faut la saisir parce que bah voilà, on est des êtres humains, on n'est pas des robots. L'humain est parfaitement imparfait. Et puis l'humain est un animal social, donc c'est-à-dire que en fait pour qu'un être humain puisse correctement grandir et s'épanouir, il a besoin d'autres êtres humains autour de lui. C'est comme ça, on fonctionne comme ça. Donc, ce que tu dis est d'autant plus vrai, ça c'est sûr. Et dis-moi, est-ce que, en toute honnêteté, les deux fois, ou peut-être une fois, ou peut-être aucune des deux fois, la CSI, ça t'a aidé, ça t'a apporté quelque chose ou pas, toi ? Alors, est-ce que ça t'a vraiment permis d'aller mieux, de te soulager, même un minimum, ou ça t'a fait quelque chose de positif ? La première fois, ça m'a marqué. C'était que négatif. Mais par contre, la deuxième fois, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Dans le sens à comprendre, ouais, là, ça va pas. J'ai besoin de m'isoler. J'ai besoin de faire ça. Enfin, j'ai besoin de me sortir la tête, de m'aider. Ça m'a beaucoup aidé dans la deuxième fois. Parce qu'après, en fait, j'ai compris que bah, quand j'ai un moment où ça va pas, où je m'énerve, où quelque chose m'agace, au travail, je passe la main déjà. Wow, ça, c'est et je bien. Dis. Ouais, ça va pas. Je vais m'isoler 2-3 minutes. Je vais respirer un coup. Je vais aller fumer. Je vais aller boire un verre d'eau. Et ça m'aide énormément. Bah, dans la vie de tous les jours, ça m'aide pour comprendre que bah voilà, là je suis pas bien. Soit j'ai besoin d'aide, soit je sais faire toute seule, soit je prends mon traitement. Enfin, je sais quoi faire. C'est ça qui ça m'a plus aidé la deuxième fois que la première. Bah, c'est vrai que l'idée en fait. L'idée brute, hein, qui à l'époque de ta première hospitalisation, donc il y a à peu près une dizaine d'années, mais encore aujourd'hui, c'est encore d'actualité, mais il y a 10 ans, c'était mal appliqué, mais c'était quand même le but, c'était d'apprendre à la dure, il faut, surtout il y a 10 ans, à la très très dure, aux patients à s'isoler dans les moments de crise, en gros à couper court avec l'élément déclencheur. Dans certains moments, hein, évidemment, dans certains cas, parce que bon, évidemment, par exemple, le patient qui va se mettre à graisser tout le monde avec un couteau, c'est un autre problème hein, encore, parce que bon, oui, voilà, oui. On le sait bien, hein, mais et toi, donc là-dessus, par contre, la deuxième fois, voilà, ça t'a apporté quelque chose. Et au niveau justement de ton vécu, dans le processus de mise en chambre d'isolement, la première fois, que ce soit au moment où
où ça a clashé, le moment où il y a eu le nombre de soignants qu'il a fallu pour justement t'emmener en chambre, la chambre, puis le vécu, puis la sortie, la première hospitalisation, qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Quel est le souvenir, si tu veux bien en parler, évidemment, encore une fois, quel est le souvenir qui t'a le plus marqué? Quelle est la première chose à laquelle tu penses quand tu penses à ça, justement? Alors, ma première première isolement, traitement inhumain, malheureusement. C'est ce qui m'a le plus marqué, le souvenir que j'ai détesté, enfin, ouais, hormis cette horloge. la fameuse horloge. Ah ouais, je la détestais, mais détestée, mais à un point. Donc, vous avez compris, normalement, chez elle, il n'y a pas une seule horloge qui traîne, aucune, il n'y en a pas. Non, il n'y a pas, en fait, j'ai une horloge, mais pas avec les points rouges stupides, là. Ah. Non, vraiment, le premier souvenir qui m'a énormément marqué, et c'est très négatif, bah, c'était le traitement qu'on m'a fait et comment on m'a mis les contentions et comment on m'a parlé aussi. Parce que les soignants m'ont vraiment parlé comme si, bah, comme si j'étais une vieille chaussette, pour pas dire un autre mot. Et voilà, ça c'est ce qui m'a le plus, ce qui m'a marqué. Et en fait, à cause de ça, de ce qui s'est passé de ma première hospitalisation et l'isolement, bah, j'avais des crises où j'étais pas bien et tout, et je ne voulais pas aller à l'hôpital. Pour moi, à cause de la première, l'hôpital, c'était une horreur. Un endroit de torture, une horreur. Alors, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on entend énormément. C'est que, justement, ça dégoûte littéralement la psychiatrie. Parce que normalement, la psychiatrie, c'est comme quand on va normalement se faire opérer du cœur ou faire un examen. Normalement, quand tu vas dans un milieu médical, c'est pour être soigné, pour être aidé, pour qu'on prenne soin de toi. Et être victime de violences de la part de soignants. Alors, effectivement, il y a beaucoup de soignants qui pourraient avancer que oui, mais les patients sont violents avec nous. Alors, tu as déjà répondu, toi, à ça, c'est que dans ces moments-là, bah, tu passes la main, en fait. Tu recules. Être un bon soignant, et ça, c'est une bonne chose que tu as appris, être un bon soignant, c'est savoir passer la main avant toute chose. Qu'importe le service. Parce que des gens tendus et agressifs dans le médical, même en dehors de la psy, on en trouve partout, parce que il n'y a pas que la psychiatrie qui rend agressif. La douleur, le fait que, par exemple, on traîne un non-diagnostic pendant des années, personne ne sait ce que t'as, ça aussi, ça peut tendre. Il y a plein de choses qui peuvent rendre agressif. Un truc qui m'a marqué par rapport à ça, en fait, malheureusement, les soignants vont dire qu'on est agressif, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à prendre en compte. Oui. Mais ce n'est pas une raison pour agresser les soignants. Attention, mais bien par sûr. Exemple, qu'est-ce qui m'est arrivé, en fait, c'est à force d'avoir des crises d'angoisse, j'avais mal au ventre, mais énormément mal au ventre, vraiment comme la douleur que j'avais eue pour un ulcère. Donc j'allais aux urgences, je suis allée plusieurs fois, et en fait le médecin, il me dit, mais je comprends pas, pourquoi vous avez mal au ventre, mais c'est pas normal. Enfin, il a vraiment été très très méchant. Oui, mais vous venez, vous nous faites chier, enfin voilà. Et en fait, dans ces moments-là, j'avais envie de dire, mais frère, si t'es pas content, tu passes la main, en fait. C'est pas, enfin... Et en fait, on s'est rendu compte que c'était mes crises d'angoisse qui faisaient ça. Mais on s'est rendu compte 4 ans après ça. Donc oui, je suis venue embêter les urgences, mais 4 ans, enfin, voilà. J'ai l'impression que des fois, c'est à deux vitesses, des fois. Et comment t'as fait pour accepter une deuxième hospitalisation, justement, 10 ans plus tard, après cette première très, très, très mauvaise expérience, surtout pour une enfant de 12 ans, hein. Ça a été très 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 dur. Ouais. J'avais énormément de stéréotypes. Je vais pas mentir, j'avais beaucoup de stéréotypes. Tu m'étonnes. Alors, après le premier vécu, non, franchement, il y a de quoi en avoir, hein, vraiment. Voilà, donc j'allais vraiment pas bien du tout. J'étais en énorme crise d'angoisse, parce qu'il faut savoir que je me suis sevrée en même temps. Je me suis sevrée toute seule. Quelque chose qu'il faut jamais faire, hein. Faut demander de l'aide. Je vous sevrerai jamais tout seul. Je me suis sevrée toute seule. Alors, et juste, après des crises de manque, excuse-moi, pour la petite info, c'est juste pour donner une petite info. Sachez, vraiment, les gens qui regardent et regarderont en replay, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit qu'ils allaient regarder en replay, tu vois, donc ça ne m'étonne pas, parce que ton témoignage est super intéressant, et ça, vraiment, je le confirme. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour le sevrage, en dehors du cannabis, les sevrages de produits toxiques sont tous mortels si on s'y prend mal. Ça peut vous tuer, que ce soit l'alcool, que ce soit la cocaïne, il n'y a que le cannabis pour lequel on ne peut pas mourir du sevrage. Donc vraiment, retenez bien cette information. Si demain vous décidez de vous sevrer, faites très attention,
Comment vous le faites? Consultez quelqu'un, consultez un spécialiste, si je peux vous donner. Moi, c'était tout ce qui était cocaïne, opiacés, tout ce qui va avec. Et du coup, voilà, ça a été une horreur. Ah oui, mais une tu horreur devais souffrir. Sens... Alors, j'avais de la fièvre de cheval, je vomissais. Même si je buvais de l'eau, je vomissais. Ouais. J'avais des crises d'angoisse encore pire. Mes psychoses étaient fois mille. Donc ça, c'est les symptômes du sevrage, hein. Notez bien. Voilà. Et bah oui, je tremblais, j'avais des changements d'humeur horribles, j'avais des insomnies horribles. Donc, je me suis dit, ok, là, t'es pas bien, il va falloir, même si tu détestes, il va falloir que t'appelles le 15. Donc j'ai appelé le 15, je leur ai dit, excusez-moi, mais j'en ai tellement marre que j'ai envie de me suicider. Je leur ai dit comme ça, j'ai été franche, et voilà, je leur ai dit, si ça continue que je souffre comme ça, je vais me suicider. Alors c'est vrai que il paraît de la part de beaucoup de personnes justement qui vont amorcer des sevrages que il y a des moments où on souffre tellement, paraît-il, que oui, on se dit mais la seule chose qui me reste c'est de mourir pour apaiser tout ça quoi. Il paraît. C'est il ça. Paraît. C'est ça. Honnêtement, le sevrage, c'est je ne mens à personne. J'ai des amis qui sont toxicos. J'ai connu des personnes. Je ne mens jamais. Le sevrage, c'est un des pires moments. La drogue, on y rentre facilement, mais quand on en sort, on en chie. Voilà. Mais on peut se faire aider. En France, c'est ça qui est bien, c'est qu'on peut se faire aider. J'ai ma famille d'origine albanaise et en Albanie, si on a un ulcère, juste pour expliquer, c'est 5000 euros. Oh putain! Nom de Dieu! Ouais. Voilà. Bienvenue au capitalisme. Voilà. Donc en France, j'ai eu deux ulcères, ça m'a coûté 0 euros. Voilà. Bon. On voit la différence, effectivement. Là, on a vraiment un vrai comparatif. Voilà, donc suite à ça, je les ai appelés, j'en ai dit, excusez-moi, j'en ai tellement marre, j'ai envie de me suicider. Donc le SAMU est venu très très rapidement, en plus j'étais en saison, donc venir en montagne, c'est pas le top. Mmh. Ensuite, il y a eu un psychiatre, enfin un médecin, et je lui ai dit, je lui ai parlé à cœur ouvert, je lui ai dit, je suis pas bien, j'ai mon vécu qui fait que je souffre, j'ai ma toxicomanie que je suis en train de me sevrer, qui me fait souffrir à mort, enfin, j'ai besoin d'aide, voilà, j'ai dit comme ça. Donc ensuite, je leur ai dit, je ne veux pas être hospitalisée parce qu'il m'est arrivé ça. Donc ensuite, il y a eu un autre psychiatre qui est venu, parce que c'était le médecin et là, c'est le psychiatre. Ouais. J'ai posé toutes mes questions. Voilà, toutes mes questions, je les ai posées. Je lui ai dit, je ne veux pas être contentionnée, je ne veux pas avoir ça. Je ne veux pas qu'on me traite comme un monstre. Je ne veux pas qu'on me parle comme de la merde. Je lui ai dit comme ça, cash. Je lui ai dit, j'en ai rien à foutre, je veux qu'on me traite comme un humain. Donc après, le psychiatre, je pense qu'il a compris que... Voilà. Bah, je pense après avec mon carnet de santé et le dossier partagé, il l'a vu. Et donc, en fait, il m'a répondu, il m'a dit non, ça va pas se passer comme ça. Vous allez aller dans un endroit pour vous reposer, pour vous retrouver, pour vous aider. Après, il m'a expliqué un petit peu, selon tel pavillon, vous allez avoir ça, ça, ça. Vous avez des activités, vous avez des soignants, on va parler. On va pas vous mettre en contention, on va pas vous mettre en isolement, on va pas vous mettre en chambre d'apaisement, on va voir comment ça se passe pour vous. Et on avisera ensuite. Et voilà. Ok. Et dis-moi, donc tu m'as dit pour la première hospitalisation, tu as donc connu la fameuse contention. Alors, ouais. Évidemment, et vous allez vite le découvrir, c'est très différent de tout ce qui est justement camisole de force, hein, bien sûr. Donc, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ce que c'est justement la contention, et la contention plus précisément à un lit en CSI? Dans la première, on a un lit qui est fixé au sol. Je ne sais pas comment ils ont fait, mais il est fixé. Oui, en fait, ouais, effectivement, il le soude. Il est directement, c'est des lits qui sont très lourds et qui sont soudés directement au sol. Alors pourquoi? Pour éviter qu'un patient en crise, comme tu le précisais tout à l'heure, un patient en crise a une montée d'adrénaline et a une force de cheval. Hein. Je vous raconterai une petite anecdote tout à l'heure là-dessus. A une force vraiment de cheval, c'est-à-dire que un patient en crise en psychiatrie. Même des terres, une nana de 50 kilos, elle peut te soulever. Hein. Faut vraiment se méfier, voilà. Donc, parce qu'il y en a beaucoup en psychiatrie. C'est ce qui m'est arrivé. Moi, petite gamine de 2 ans avec mes 45 kilos, la soignante, je l'ai démontée. Voilà. Malheureusement, je regrette pour elle. Voilà, tu lui as quand même pété le bras du haut de tes 12 ans. Donc voyez à quel point. Après, je vais quand même m'excuser, je vais quand même demander pardon et tout. Enfin, voilà. Ah, mais j'en doutais pas. Hein. Je vois bien, tu présentes pas ça comme si tu te vantais, hein, loin de là. Je ne méritais pas. Et du coup, pour la contention...
Ouais, c'est simple, ils Alors, sont bien simples. juste pour dire, voilà, en fait, c'est simplement pour éviter que les patients retournent le lit, ou se fassent mal avec, ou le projettent sur des soignants. Parce que, su déjà t'arriver dans certaines chambres d'ISO qui n'étaient pas du tout aux normes, mais qui étaient quand même validées il y a à peu près une dizaine d'années, ça passait bien, que des Quelle patients chance. prennent le lit. J'ai un hôpital dans lequel j'ai bossé en tête, dans le collimateur, où les patients, ben, en chambre d'isolement, prenaient le lit et soit le balançaient contre les soignants, voire même il y en a un qui a réussi à le projeter contre une fenêtre pour se barrer. Donc, Life. voilà Pardon. pourquoi on soude les lits au sol. Ou alors maintenant, il y a aussi des lits en mousse, entièrement en mousse. Voilà. Mais vas-y, je te laisse continuer, excuse-moi. Et du coup, bah voilà, oui, ou alors bloquer les portes. Aussi, ça peut être ça. Et du coup, alors, moi, ils sont mis à 5 sur petite gringalette que j'étais, hein, mais bon, un bon tyrannosaure. Et du coup, pardon. Alors, il y a 30 personnes qui sont mises sur moi. Ils ont mis la tête, les bras, le ventre, les jambes, le pied, et basta. Un basta, non, je l'ai senti passer, quoi, quand même. Ça Bah oui, fait mal. forcément, oui. On est attaché en fait à les trucs du lit. Je sais, je me rappelle plus par rapport à ça, mais Il y a des j'avais petites l'impression encoches en fait dans les lits où tu peux passer les sangles, effectivement, c'est ça. voilà, j'avais l'impression que j'allais être une momie, qu'on allait momifier. Voilà. Sauf que la momie, elle était morte et moi, je suis en vie. Voilà. Alors d'ailleurs, petite information, la ventrale est de moins en moins utilisée à cause des. Alors, il y en a eu peu, mais il y a eu des accidents de gens qui ont réussi en fait à se faufiler au niveau de la ventrale et à glisser dedans. Et en fait, ils ont fini par s'étrangler avec. Donc la Merde. ventrale est très 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 rarement utilisée de nos jours et c'est une prescription encore autre que lorsqu'il y a prescription de contention. C'est-à-dire que pour la ventrale, maintenant, il faut absolument le préciser, tout particulièrement. Il faut savoir aussi que moi, enfin, j'avais déjà mes règles, voilà, j'étais déjà menstruée. Il faut savoir que la ventrale m'a fait énormément de mal aussi. Il faut savoir que ça m'a fait vraiment mal au niveau de, bah, au niveau de mes intestins, au niveau des ovaires, ça m'a fait vraiment mal par contre. On ne sait pas pourquoi, mais ça, peut-être que c'était trop serré. C'est fort probable parce que la ventrale, quand même, elle est serrée, mais vraiment, on prend une partie quand même de ton buste qui est comprimée et compressée par ça, scotché à un lit. Oui, non, si, c'est. Ouais, si, c'est. Au niveau physique, la ventrale, elle est très. C'est l'une des plus douloureuses, si c'est pas la plus douloureuse. Hein. Bah voilà. Voilà comment ça s'est passé. Mais voilà. Par contre, pour la deuxième, bah, on a regardé, on m'a évalué, on m'a dit soit ça se passera comme ça, soit vous vous calmez, ça va se passer comme ça. Et voilà, tout simplement. Pardon, c'est ma soeur. Y a aucun souci, t'inquiète pas. D'accord, et dis-moi toi, qu'est-ce que tu penses justement, parce que c'est vrai que là ça tombe extrêmement bien, j'ai une chance incroyable, je le dis clairement, j'ai une chance incroyable de tomber sur quelqu'un comme toi qui a une double expérience, c'est-à-dire que tu as connu la psy d'il y a 10 ans et la psy d'aujourd'hui. Et qu'est-ce que tu en penses toi? Qu'est-ce que ça te fait penser toi la psychiatrie, parce que justement, toi qui as envie de travailler dedans. Qu'est-ce que tu penses maintenant de la psychiatrie? Comment tu perçois ça? Parce que tu es t'es patiente et en plus maintenant tu es soignante et tu as été patiente à deux époques quand même Différent. différentes avec 10 ans d'écart quoi dedans. Et en psychiatrie honnêtement, en 10 ans, croyez-moi, il se passe énormément de choses. Énormément. Alors, faut savoir aussi que quand j'étais petite, j'habitais à côté d'un hôpital psychiatrique quand j'étais Ah, petite. en plus. Ouais, mais non, il m'est jamais arrivé de problème, honnêtement. Jamais. Faut savoir aussi qu'avant, quand j'étais petite, bah, on disait que l'asile, c'était pour les fous. Ah, Déjà. l'asile aussi. Ah, ce magnifique Ouais. mot, moi. À chaque fois que je l'entends, je vous jure, j'ai envie de m'arracher les yeux. La personne qui me dit ça, je lui souhaite une diarrhée. Ouais, moi pareil. Pas de mourir, mais pas du vrai, pas une vraie douleur, mais une bonne diarrhée, tu vois. Ah oui, une Voilà. bonne grosse diarrhée, je suis d'accord. Oh putain, c'est dégueulasse. Ouais, Ouais, mais bon, on mais a la comme ça, la compagnie, personne, on elle parle. comprendrait peut-être. Et du coup, pour la première expérience, bah, même chose, détester, allez vous faire foutre. Et voilà. Mais du coup, en fait, à la fin, bah, j'ai réalisé que ça a énormément changé. Ça change beaucoup maintenant. J'ai l'impression que maintenant, on comprend mieux certaines choses. Après, il faut savoir que la médecine, des fois, ça avance super vite, des fois super lentement, selon le type, le domaine.
Voilà, en fait, je trouve que maintenant on comprend un petit peu mieux, mais voilà, il reste toujours le même problème, qu'on manque de soignants, qu'on manque de personnel, qu'on manque de moyens. Voilà. Ah bah bien Mais je trouve sûr. que Parce que là, maintenant toi, on en plus, tu vois comprend l'autre mieux. côté du miroir pour l'occasion, hein. Voilà, mais enfin, maintenant je trouve qu'on comprend mieux. Après, voilà, il y a des pathologies, c'est pas super simple, hein. Par exemple, bah, moi j'ai quelqu'un qui est atteint de schizophrénie. Bah, maintenant on arrive à stabiliser. Maintenant, c'était tu fais ça, point barre, tu fermes ta gueule, et c'est comme ça et pas autrement. Maintenant, c'est autre chose. Et même moi, pour mon traitement, bah, on essaye des traitements, hein. Faut pas se dire que tous les traitements sont mauvais, parce que je vois énormément de groupes, par exemple, pour ceux qui ont des crises d'angoisse, choses comme ça. Oui, tel traitement, ça va me faire grossir ou quoi que ce soit. Alexis! Alexis, bébé, Ça y tu est, en as nous l'avons perdue. Elle a été victime d'un attentat très violent. un bébé. Un bébé, ouais. Tu veux faire coucou, c'est ça? Non, Ah, si, si. non. Non, mais... C'est une Pardon. petite interlude, les amis. Viens, C'est allez, l'heure de la dépêche-toi. pause, c'est la Vite, récré. vite. Là, il a faim, en fait. Voilà, il a la... Non, c'est la fin, c'est qu'il fout le bordel depuis tout à l'heure. Il m'a renversé son lit en plein sur la table. Il s'amuse à sauter dessus. Il a balancé la bouteille de sureau, la bouteille d'eau par terre, c'est génial. La bouteille de citron. Ah bah voilà toi, bébé, tu vas aller en isolement. Non, je rigole. C'est pas du tout extrême. Prescription d'isolement pour un enfant turbulent. Bam, allez hop! Non, mais du coup, voilà, pour finir ça, en fait, maintenant, il faut savoir que, voilà, pour mon traitement, j'ai eu un traitement qui m'a fait un AVC. Mais bon, bah, ça arrive, hein, ça peut arriver, voilà. Il y a énormément de personnes qui se disent, oui, mais tel traitement va me faire ça. Non, non, c'est pas parce que pour toi, le traitement a été, on va dire, négatif, que sur quelqu'un d'autre, il va l'être. Tout à fait. Voilà. Il faut savoir, après, voilà, moi, par rapport à ma toxicomanie, je dis, je veux pas un traitement qui rend accro. J'ai Si fini c'est comme quitter ça une avec addiction pour Mero. en tomber dans une autre qui est légale, est-ce que c'est vraiment Voilà. judicieux? Ben justement, je me dopais au Xanax. Hein, Ah bah juste. oui, mais ça de toute façon. Pourquoi? Parce que il faut le savoir, pareil, en période de sevrage, le Xanax apaise beaucoup. Ça fait partie des médicaments qui permettent d'atténuer le syndrome de manque. Ben moi, ça n'était pas du tout ça. Ça a Ah, été bah les comme ça crises au de manque moins, avec le bam! Xanax. Ça a été ça. Après, voilà, c'est pas parce que pour moi ça fait ça que sur quelqu'un d'autre, ça va faire autre chose. Oui. Ou ça va faire quelque chose. Là, on est en plus en Donc, plein dans l'exemple. Parfait, tu vois, c'est beau. voilà. Et du coup, en fait, on a mis à peu près 6 médicaments avant de trouver le bon. Ah, quand même. Voilà. Ouais, je suis résistante. Mon corps, il est en mode ouais, je vous Alors, emmerde. parce qu'il faut le savoir, et c'est une réalité, il y a des gens plus ou moins résistants aux médicaments. Et d'ailleurs, fait avéré, et c'est une réalité, les personnes d'origine noire sont bien, bien plus résistantes aux médicaments que, par exemple, que les caucasiens. Il faut le savoir. C'est très, très important quand on travaille en psychiatrie parce que certains internes et psychiatres se croient plus malins que les autres en disant que c'est pas vrai du tout et donc vont donner des doses standards. Et Ou après, dire vont tout le s'étonner que le rapide. patient, en fait, va être toujours aussi mal, voire encore plus mal, parce qu'il va être un petit peu shooté, donc pas très, très bien, mais... En même temps, ces symptômes vont pas du tout s'apaiser, donc je vous laisse imaginer un peu la colère ou au contraire l'angoisse que ça peut véhiculer. Et reste des courses, ça peut créer pas mal de soucis. Mais les patients, forcément avec le mélange génétique, il y a plein de patients qui se retrouvent avec des résistances et donc qui ne sont pas réceptifs immédiatement à des doses standards et légères de médicaments comme celles qu'on donnerait au début pour un nouveau patient. Et Et les ça, c'est mutations. une chose à prendre toujours en compte. Et on a aussi les mutations. Évidemment. Ah bah alors ça, on n'en parle même pas, parce que ça, en plus, ça, il y en a de Non. plus en plus. Encore plus chiant. Oui. Voilà. Bah voilà, moi c'est tout ce que je peux dire. Après, voilà, s'il y a d'autres questions, je suis là. Bah en tout cas, c'est déjà, waouh, c'est très intéressant, c'est très complet. Ton témoignage, vraiment, c'est ton honnêteté, ça, pour moi, c'est toujours les gens quand ils parlent avec honnêteté et franchise et librement de leurs expériences comme ça, moi je trouve que c'est rafraîchissant parce que il y a beaucoup quand même, beaucoup de stéréotypes négatifs. Ouais, Et ouais. là, Il y voir en a beaucoup. quelqu'un qui les a vécues et qui a réussi à faire évoluer elle-même sa perception de la chose, moi je trouve ça beau. Est-ce que toi, t'aurais quelque chose à dire justement aux gens qui ont eu une très mauvaise expérience? Parce que toi, t'en as une très mauvaise quand même la première fois. Enfin, c'en Ouais, était de la franchement, maltraitance. c'était. Enfin, pour moi, en tant que soignant de ce que tu me racontes, moi, je vois ça comme de la maltraitance. Malheureusement, comme on pouvait souvent voir à l'époque, il y a 10 ans, honnêtement, hein, moi, je suis très transparent aussi sur les limites de nous, soignants. Et là, aujourd'hui, toi, t'en es revenu. Est-ce que t'aurais quelque chose à dire justement aux gens qui ont une mauvaise expérience comme toi?
Alors, ce que je peux dire, c'est malheureusement, le monde n'est pas rose, le monde n'est pas gris, c'est un peu comme le yin et le yang. Il y a du mauvais, il y a du bon, il y a de tout. Mais alors, les personnes qui ont eu de mauvaises expériences, déjà de 1, elles peuvent faire un recours à la justice, si jamais, en cas de besoin. Ensuite, il faut savoir que bah, les psychiatres, les psychologues, ça marche au feeling. Faut être honnête, ça marche au feeling. Moi, j'en ai cherché plusieurs. Et si ça se passe mal avec le patient, on essaie une fois ou deux. Si on voit que ça ne va pas, il faut changer. Passer la main. La même chose. Pour les patients, il faut passer la main. Et il ne faut pas rester sur la mauvaise expérience. Il ne faut pas. Il ne faut pas non plus écouter les médecins. Ouais, moi, ça s'est mal passé parce qu'il y a eu ça. Bon, ok, un ou deux témoignages. Ok. Bon, c'est sûr, s'il y en a 50 ou 100, là, ouais, il faut se poser les questions. Oui, là, oui, On là, faut quand même commencer à se poser. Normalement, même, faut s'en penser avant, poser avant des est. questions, effectivement. Voilà, j'extrapole un peu, mais par Évidemment, contre, mais il moi faut j'aime pas. bien quand. L'exagération, c'est toujours probant. Voilà, il faut pas rester sur sa mauvaise expérience. Il faut pas avoir honte de demander de l'aide. On a tous besoin d'aide à un moment ou à un autre, quoi qu'il arrive. Faut pas avoir honte, faut pas rester sur la mauvaise expérience. Même si on a des questions, aucune question est bête. Seulement si on la dit pas, c'est bête. Ah bah. Voilà. C'est pareil, il y a une expression comme ça qui dit quand tu poses une question, tu es bête une fois et après tu sais. Quand tu ne poses pas la question, bah, tu restes bête toujours. Voilà. Effectivement. Faut pas Mais. rester. Oh, pardon, vas-y, Voilà, faut excuse-moi, tu disais. Non, non, faut juste oser. Oser. Il y a des soignants. Maintenant, les programmes sont beaucoup plus complets. Enfin, bon, ça, c'est autre chose. Oui. Mais voilà. Tout le monde n'est pas forcément gentil ou méchant. Mais par contre, faut pas aussi hésiter. Il y a aussi des possibilités de recours avec la justice. Oui. Si jamais c'est vraiment. Ce qu'il faut vraiment le savoir, en fait, il y a un juge des libertés. Lorsque Voilà. le patient est mis en justement en CSI, il y a un juge des libertés qui va contrôler tout ça. C'est-à-dire que même si un membre de ta famille va signer le papier, il faut savoir que le juge des libertés va mettre son nez dessus, il va le voir passer et c'est lui qui prend les décisions au final. C'est-à-dire que, imaginons, tu es hospitalisé, voilà, on décide de te mettre en CSI et c'est abusif. Et ben, par chance. Le juge des libertés va se pencher sur le cas. Si lui, il trouve que les justifications à cette mise en chambre d'isolement ne sont pas assez valables, il l'a fait sauter, mais dans la foulée. C'est devenu très rapide. Et alors, c'est un côté négatif pour certains, parce qu'effectivement, on se retrouve par exemple avec certains patients qui peuvent être dangereux, et à cause d'une erreur de certains infirmiers, infirmières, internes, médecins, psychiatres, bah, ils vont se retrouver avec leur CSI qui saute, et donc ils vont se retrouver à nouveau à pouvoir sortir. Mais là, c'est une erreur, hein, évidemment, parce que c'est une erreur faite par le soignant. Mais à contrario, c'est pareil, c'est aussi là pour bloquer avant toute chose les erreurs aussi de décision. Parce que des patients qui subissent des isolements abusifs, j'en ai pas vu des centaines, mais j'en ai vu bien assez pour savoir que oui, ça existe, que c'est une réalité. Et Voilà. c'est ça à l'époque, il y a 10 ans de ça, c'était plus compliqué de dire putain non, il y a un truc qui déconne, il va falloir que la personne elle sorte. Alors que de nos jours, quand on n'est pas d'accord avec une décision médicale pareille et qu'on a un petit nombre, on peut arriver à faire sauter, en gros grâce à nos propres avis et témoignages, on peut arriver à faire sauter ce genre de situation négative. Donc ça aussi, il faut savoir que c'est pas quelque chose d'arbitraire. C'est-à-dire, maintenant, c'est clair, net et précis. Même si il y a 30 ans, 40 ans, ça a été comme ça, aujourd'hui, on ne prend plus quelqu'un comme ça, hein, et hop, on le met dans une chambre d'isolement. C'est fini, ça, c'est fini. Il faut des raisons. Malheureusement, parfois, il faut attendre des situations de crise qui peuvent même être extrêmement violentes. Mais malheureusement, c'est comme ça. Voilà, il le faut, parce qu'il y a un bénéfice du doute, et puis voilà, il faut éviter de se tromper. Vous savez, c'est un peu comme l'idée, entre guillemets, bien sûr, de la peine de mort. La peine de mort, c'est facile de dire oui, la personne, bah, elle a tué quelqu'un ou elle a fait un truc horrible, donc on la tue, pour découvrir un moment plus tard qu'en fait c'était une personne innocente et qu'on a buté un innocent. Et bah, pour moi, c'est le même principe. Mettre une personne dans une chambre d'isolement à tort, même si les 10 autres fois tu l'as bien fait, c'était une bonne décision, t'as quand même fait l'erreur de mettre une personne, même si c'est que 24 heures dans une chambre d'isolement, comme tu le disais tout à l'heure, même 24 heures. C'est extrêmement long. C'est C'est extrêmement long, ça. hein. Il faut pas. Il me semble aussi qu'on a aussi un numéro, mais j'ai oublié lequel. Il y a un numéro aussi contre les maltraitances, des choses comme ça. Oui. Faut pas aussi hésiter à appeler. Alors, Voilà. après, évidemment, et comme tu le disais tout à l'heure, faut pas tomber dans le discours totalement inverse, parce que il faut le savoir, beaucoup, beaucoup
de groupes extérieurs, pour n'en citer aucun, parce que bon, ça serait plutôt mal vu, mais il y a une certaine église très connue aux États-Unis qui actuellement est très forte pour ça. Ils ratissent large en allant voir et en fait en démarchant les anciens patients psy. Ah oui, non, mais ils sont très très forts pour ça. En démarchant certains anciens patients psy, en tenant justement des propos. Comment dire, qui vont énormément justement dénigrer la psychiatrie et tout le et manipuler peut-être aussi. Pardon ? C'est peut-être aussi de la manipulation aussi. Et voilà, et c'est ça, et dans le but de manipulation. Donc en fait, on peut tomber sur des témoignages vraiment mais affreux qui, encore une fois, il y a 20 ans, on pouvait vraiment les trouver facilement. Autant aujourd'hui, c'est pas exactement la réalité. Vraiment, les abus, il y en aura toujours, il y en a et il y en a eu. Mais on les a quand même drastiquement éliminés. Enfin, je sais pas ce que toi tu en penses d'ailleurs, n'hésite pas à me dire ce que toi tu en penses, sincèrement. Je trouve qu'il y en a moins, comparé à avant, je trouve qu'il y en a moins. Après, maintenant, de ce que je vois aussi, ce que j'ai en cours, c'est qu'on nous explique qu'on peut être maltraitant sans s'en rendre compte. Enfin, on nous explique qu'est-ce que la maltraitance vraiment comparé à avant, parce que j'ai une amie qui a fait avant et qui regarde mes cours maintenant, ça n'a rien à voir. Voilà. Mais c'est tout à fait vrai. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de formations. En gros, dans la formation continue des soignants, c'est quand même bien mieux. Mais c'est-à-dire qu'en plus, tout le monde est impliqué. Hein. Maintenant, dans les formations, on retrouve des infirmiers, des soignants, des internes et des médecins côte à côte pour être formés sur la même chose. En gros, pour qu'on soit sensibilisé aussi à la protection des patients, même quand ils sont violents, à les protéger. Il y a énormément justement de formations qui viennent directement du Québec, par chance, parce que les Québécois sont très en avance à comparer de nous. Parce que nous, on est extrêmement en retard, quasiment à comparer tout le monde en Europe. On est vraiment, enfin, bon, pas tous les. Comparé à l'Albanie, non, ça va. Comparé à l'Albanie, en Albanie, on est dans les urgences, on dort encore dans des dortoirs, genre avec 8-7-6 personnes, voire un peu plus. Voilà, bon, c'est ça, voilà, certains pays européens, bon, mais on va dire que les pays, que les gros pays européens, on est quand même énormément à la bourre. Moi, pour être allé par exemple en Allemagne pour voir comment c'était justement là-bas. Ah ouais, même moi. Putain. C'est pas la même chose, on est d'accord que c'est pas pareil. Par contre, moi je vais devoir y aller parce qu'il faut que je prenne mon traitement et j'ai faim aussi. Pas de soucis, et bah écoute, parfait, bah, de toute façon tu vois ça fait un peu plus d'une heure, mais merci déjà, merci pour ton témoignage. J'ai eu énormément de chance de la voir, j'ai hâte de, faire, de la mettre en vidéo, de la sortir pour que les gens puissent la découvrir. Oh bah si je peux aider, hein. Pouf, ça me dérange pas. Moi j'en suis sûr, je suis sûr que ça apportera en tout cas à des gens, je m'en fais, mais alors pas du tout. Merci à toi, merci aux gens qui sont venus, merci d'avance aux personnes qui regarderont justement la vidéo, n'hésitez pas justement à partager votre avis, à mettre ce que vous en pensez en commentaire, à donner vos réactions aussi par rapport au vécu de notre cher témoin qui est venu nous partager cette expérience, moi je trouve intense et poignante, moi vraiment ça m'a fait quelque chose, merci vraiment. De rien. Bon, bah allez, bisous, ciao. Ciao, bonne soirée à toi. Salut, salut. Voilà, donc on arrive à la fin de ce tout premier live, ce premier Tyranno live sur de la psychiatrie directement. Je suis vraiment content d'avoir pu parler de la chambre d'isolement, d'avoir pu en discuter avec cette personne en particulier. C'était un témoignage, moi, je trouve, très poignant, très humain, révélateur de beaucoup de choses qui ne fonctionnaient pas, mais aussi qui donne, je trouve, espoir par rapport à ce que va devenir ou ce qui est en train de devenir la psychiatrie. Parce que la psychiatrie aujourd'hui, c'est quelque chose de beaucoup plus exigeant. Ça demande plus de doigté, ça demande beaucoup plus d'efforts. Alors oui, et beaucoup plus forcément d'administratif. Alors oui, mais ça c'est vrai, hein, l'administratif ça fait chier. Moi je suis le premier à le dire. En tant que soignant, ça me brisait les noix. Mais moi là, je parle par contre de l'administratif, pardon, je bafouille, hein, de l'administratif chiant. Parce qu'il y a de l'administratif, mais c'est du blabla juste en fait pour tout le temps se couvrir de tout. De tout, de tout, de tout constamment. Parce qu'en fait, c'est vrai, on est aujourd'hui dans une société très procédurière. Et les hôpitaux, ils s'en foutent hein, de nous. Eux, ce qui importe pour eux, c'est de se protéger au niveau financier. Parce que bon, ils pourraient dire, bah ouais, effectivement, ça fait partie des risques. Oui, on peut porter plainte contre notre établissement à cause de telle ou telle chose. Bah ouais, et voilà. Donc, sauf que la responsabilité, après, elle en impute à l'établissement, etc., etc. Donc bon, je vous laisse voir un petit peu, comprendre un petit peu la problématique. C'est toujours par l'argent que le bas blesse, hein, on le sait bien. Donc, résultat des courses, effectivement, la psychiatrie semble quand même drastiquement s'améliorer. Espérons que ça continue. Et avec des soignants comme cette jeune femme, des soignants qui ont connu les deux côtés
et qu'ils savent très bien ce que c'est de souffrir en tant que patient, de l'humanité de la personne qu'on a en face de soi, parce que de la violence en tant que soignant, on peut en présenter même inconsciemment. Elle le dit très bien, elle l'explique très bien. Ça peut même être inconscient, parce qu'un patient peut aussi faire ressortir certaines choses chez nous, certaines souffrances, certaines difficultés. Pour x ou y raison, vous tombez sur, par exemple, une personne, rien que physiquement, elle vous rappelle quelqu'un d'autre. Un patient pédophile, un patient qui a violé, un patient qui souffre d'une pathologie similaire à un membre de votre famille. Voilà. En fait, il y a plein de cas qui font que on perd facilement notre objectivité. D'ailleurs, l'être humain ne brille pas par son objectivité, on va pas se mentir. Donc, on peut être maltraitant malgré soi. Et dans ces moments-là, je le redis, parce qu'elle l'a très très bien dit, donc je le redis et j'insiste dessus, et ça sera le mot de la fin. Eh bien, lorsque vous voulez être un bon soignant, il ne faut pas hésiter à passer la main. Pour vous, comme pour vos patients. Très très important. Bon, en tout cas, ça a été un plaisir, et on a fait du sale dans le médical, comme toujours. Passez une bonne soirée, on se retrouve très très vite pour un prochain live de ce genre, avec quelqu'un qui viendra justement parler de son vécu, qui viendra témoigner de son ressenti. Allez, passez tous une bonne soirée. Ciao, ciao.